Dans un autre weekly vlog. Hello everybody and welcome back to my channel. J'ai plus de batterie, ça va bientôt s'éteindre. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous eu une très bonne semaine. Aujourd'hui, vous le regardez, ce weekly vlog, donc on est dimanche pour vous, mais chez moi, nous sommes lundi, donc j'espère que vous avez passé un bon week-end et que c'est en train de bien se terminer et que vous êtes cozy dans votre canapé avec votre chocolat chaud ou un verre de vin, you know. Not judging, ou genre en mode posé, cozy, vous vous préparez pour la semaine et vous êtes en train de regarder mon weekly vlog. Thank you for typing in, merci beaucoup d'avoir cliqué sur la vidéo et de continuer à regarder. J'avais dit que, première célébration, il y a tellement de célébrations cette semaine, je sens que ça va être une semaine so powerful. I can feel it in my bones, Jesus, thank you. Donc je disais que... aujourd'hui déjà j'ai tellement de bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle c'est que we made it to 20k people. Yay! 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 Vous allez dire mais Dalia ça va pas ou quoi? Non, je suis vraiment contente parce que je vous avais mis au challenge d'arriver à 20k d'abonnés avant mon anniversaire, c'est-à-dire donc le 30 mars. Et vous avez réussi le challenge. Attendez, je suis pas droite, c'est en train de me stresser. Et vous avez réussi le challenge et je suis vraiment contente. Je vais vous dire un grand merci parce que sans vous, en fait, ce serait pas possible. Merci beaucoup d'avoir partagé, partagé. Franchement, vous arrêtez pas à 20 000k. Allons à plus. Là, nous sommes en mars. Donc du coup, j'espère que d'ici juillet, l'anniversaire de ma fille, c'est un an. J'espère que je serai à mars, avril, mai, juin, juillet, 4 mois. J'espère que je serai déjà à 30 000 abonnés. Donc franchement, en fait, que ce soit possible, voici le deuxième challenge de l'année. Avant les 1 an de ma fille qui est donc en juillet, j'espère que je serai à 30 000, voire 35 000. Mais disons, partons sur 30 000. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre support, de votre soutien. It means the world to me, vous pouvez même pas savoir, donc merci beaucoup, vous avez franchement fait ma semaine, je suis trop contente. Et ouais, donc je suis prête à passer une bonne semaine avec vous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est lundi, comme vous avez vu j'ai préparé ma fille, elle allait chez la nounou. La deuxième bonne nouvelle c'est que ma fille va maintenant à 100% chez la nounou, c'est-à-dire elle va de lundi à vendredi. Vous vous en rappelez dans le weekly vlog passé, j'étais en train de vous me poser des questions, est-ce que je vais pas la mettre et tout, mais finalement j'ai décidé de la mettre de lundi à vendredi. Oui, 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 effectivement, it means more money, ça veut dire que c'est beaucoup plus d'argent. Franchement, quand vous êtes parent, c'est comme ça que vous réfléchissez. Il n'y a plus de je sais pas quoi. Tu réfléchis juste par rapport en termes d'argent. Tu calcules, tu calcules, tu calcules. C'est des équations qui se passent dans ta tête, genre en mode, est-ce que si on prend ça, ça va faire que... Like, bref, c'est pas grave, c'est beaucoup plus d'argent, mais ça fait que j'ai beaucoup plus de temps pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer du contenu. Et la troisième bonne nouvelle, vous voyez, on enchaîne les bonnes nouvelles. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. La troisième bonne nouvelle, c'est que j'ai signé dans une agence. Yay! Maintenant, je me fais représenter par cette agence qui est juste là. Bon, ça, c'est l'adresse mail. Mais en tout cas, je me fais représenter par l'agence First Business Influence. Je vous ai ça juste ici avec mon nouvelle adresse mail professionnelle pour toutes les demandes de partenariat, etc. C'est avec cette agence qu'il faudra voir. Donc, l'adresse mail est là. Je suis vraiment contente d'avoir signé avec eux. C'est vraiment, I can feel it. Comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment quelqu'un qui se base beaucoup sur le feeling et j'ai un bon feeling. Et j'espère vraiment que c'est le début de beaucoup, 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 beaucoup d'années avec eux. Je suis vraiment très contente et j'espère vraiment que tout va bien se passer. Et j'ai hâte de commencer à travailler avec eux parce qu'aujourd'hui, it's the first day today. Donc voilà, je suis vraiment contente. Comme vous pouvez le voir, de toute façon, je suis vraiment de très bonne humeur. Pourtant, je me sens pas si bien que ça parce que je suis enrhumée. Je vous avais dit dans le weekly vlog dernier que ma fille, elle était malade. Du coup, elle m'a transféré sa maladie. I love being a mom. Donc je suis tombée malade moi aussi, le rhume, la toux, etc. Ma fille, je pensais que ça allait mieux, mais en fait ça va pas mieux. Elle est toujours autant enrhumée. Bon,
on prie par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui ça va bien se passer. Je verrai ce que la nounou va me dire. Mais elle a pas de fièvre, c'est déjà ça. Je suis très contente, mais elle est juste enrhumée. Mais c'est relou pour un enfant, vous voyez. Heureusement, j'ai trouvé la petite méthode là avec la petite seringue nasale. Et c'est vraiment top. D'ailleurs, il y a des gens qui m'avaient posé des questions par rapport à ça. Je vous ai mis le lien dans la barre de description de ce weekly vlog si vous voulez aussi. Parce que ça peut beaucoup aider les mamans. Bref, parenthèse, je suis trop contente. Aujourd'hui, là, je me suis préparée, comme vous avez vu. Je me suis coiffée pour la semaine parce que je vais garder ce ponytail et cette coiffure toute la semaine. J'avais vraiment envie d'être coiffée dans ce vlog parce que les autres vlogs, je suis jamais vraiment coiffée en fait, sauf quand je dois sortir. Donc, je suis vraiment contente. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de partir à la pharmacie parce que ma fille n'a plus de sérum physiologique et je dois prendre 2-3 petites courses pour Sarah, ma voisine, comme vous connaissez. Et après, on va revenir ici et on verra le reste de la journée. Donc, allons-y, let's go. Premier stop, la pharmacie. Ah oui, ah oui, ah oui, juste avant de partir, je voulais vous dire que j'ai pris une décision. Je vais me faire le LASIK. En fait, vous voyez, il y a tellement de nouvelles, de bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles sur bonnes nouvelles. Bon, j'ai pas encore l'argent du LASIK. Je suis là, je bavarde, mais en vrai, du tout, j'ai pas encore l'argent du LASIK. Mais j'aime bien parce que je prends la décision maintenant, c'est-à-dire en mars, mais je vais le faire d'ici quelques mois quand j'aurai rassemblé tout l'argent parce que tout l'argent que j'avais de côté, c'est parti. Ces derniers temps, c'est trois derniers mois depuis janvier, nous sommes en mars, janvier, février, mars, ces trois derniers mois, j'ai dû dépenser genre 6000 euros. Vous allez me dire, mais Dalia, c'est passé dans quoi, etc. Ok, d'accord, comptez déjà l'ordinateur là-bas dans la chambre, l'aménagement de cette pièce, etc., etc. Et en plus, le nouveau truc dont je dois vous parler, la grande nouvelle que je ne vous ai pas encore annoncée, ça aussi, ça a pris l'argent. Donc, pour vous dire que le peu d'argent qui me reste là, on va d'abord laisser ça dans le compte là-bas là, parce que vraiment j'aime pas, je suis vraiment une stressée de la vie quand je sais que j'ai vidé tous mes comptes en banque et que j'ai plus rien, genre 0 euros. Je suis en mode panique. Je sais pas si ça fait juste ça à moi, mais je déteste vider, genre être à sec, parce que je me dis demain s'il y a une urgence, je suis in the merde. Donc voilà, anyway, donc j'ai décidé de me faire le LASIK. Je suis là, je dis que j'ai décidé, mais j'en ai même pas encore parlé à ma famille pour avoir leur avis, ni à mon mari. Ok, mais bon, je vous parle à vous parce que tu connais, on a cette relation assez spéciale, you know. C'est ça, tu vois, ça qui est bien. C'est le sang, c'est la famille. Mais bref, donc j'ai décidé de me faire l'opération au laser. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vais vous mettre ici qu'est-ce que c'est que j'ai trouvé sur Google. C'est une opération en gros pour pouvoir faire en sorte que je n'ai plus besoin de porter de lunettes de vue. En fait, ils vont faire la correction directement dans mes yeux. C'est une procédure qui n'est pas dangereuse en soi, mais il y a toujours des risques comme dans n'importe quelle procédure. Honnêtement, je ne suis pas encore très bien renseignée, je vous en reparlerai plus tard, mais je voulais juste vous annoncer la bonne nouvelle que j'ai pris la décision de le faire et je commence à économiser l'argent. Et d'ici quelques mois, j'espère vraiment que septembre prochain, je suis en train de faire l'opération. Donc voilà, je vais me renseigner par rapport à quel hôpital faire, etc., etc. Prendre les avis des gens. D'ailleurs, si vous êtes quelqu'un, vous êtes sur Toulouse ou sur Paris, parce que je peux monter sur Paris le faire, et que vous avez déjà fait cette opération pour les yeux, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires avec vos avis et surtout le nom de la clinique que vous l'avez fait, s'il vous plaît. Comme ça, je pourrais aller moi aussi me renseigner. Et je suis plus rassurée quand quelqu'un me recommande d'aller à un endroit, tu vois. Tandis que quand j'y vais toute seule en mode, je suis le cobaye, genre je vais tester pour vous. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'aime pas être le cobaye. Moi, j'ai envie qu'on aille ensemble ou que j'aille là où toi t'es déjà parti. T'as capté? Bref, j'arrête de bavarder et on y va. Ah mais ça y est, là on va pouvoir reprendre les courses. C'est surtout ça. Mais non, mais parce qu'on faisait, regardez, on fait des courses petit à petit. On peut pas faire les grandes courses. Non mais les trois étages avec les grandes courses, c'est pas possible. Et une nouvelle super choquante, l'ascenseur refonctionne. En fait, enfin, refonctionne pas encore. Je vous mets le petit clip juste là pendant que je suis en train de discuter avec vous. En fait, le monsieur il est en train d'arranger actuellement pendant que je vous parle. Donc ça veut dire que ça va refonctionner d'ici une heure ou deux, quoi. Je suis tellement contente. Tous ceux qui suivent mes weekly vlogs depuis, vous savez que cet ascenseur, ça fait genre 3 mois qu'il marche plus. Bon, bref, j'exagère comme d'habitude. You know, it's a black thing. It's okay. J'exagère, mais c'est pour vous dire que l'ascenseur, il fonctionne pas depuis genre 2 mois. Et on devenait déjà tous dingues, en fait. Tu descends avec la poussette, avec l'enfant, dans tes bras. C'est relou. Tu montes avec les courses. Enfin, faut appeler tout l'immeuble pour t'aider avec tes courses. Du moins, ça devenait fatigant. Donc là, je suis tellement contente. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. J'ai imprimé des photos de Malia pour son album photo. Parce que là, je suis en train de faire son album photo. Et du coup, j'ai imprimé plein de photos de Malilou. Trop chou. Elle est juste adorable, je suis trop contente de les avoir, les photos, les petits moments avec elle. Bon, ça c'est moi, ça c'est Malia, la première fois qu'elle s'est tenue debout. My little baby! Enfin bref, j'ai fait plein de photos, plein de photos. Avant que j'oublie,
y a tellement, tellement, tellement de gens qui me posent des questions par rapport à mes lentilles de vue à chaque fois. Et même pour mes lunettes et tout, mes lentilles de vue, mes lunettes, la monture de mes lunettes, ça vient de chez Chris, l'opticien. Tout ça n'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que j'ai tellement de questions dessus qu'à un moment donné, il fallait que je réponde. J'aurais aimé que ce soit sponsorisé, mais c'est pas sponsorisé. La couleur que j'utilise à chaque fois, c'est celui-ci. Faites un screen. Et c'est ça, la teinte. C'est comment? Là. La teinte avec... Attendez, c'est pas focus. Voici la teinte avec le numéro, faites un screen, avec le numéro de ma vision qui est moins 3 comme vous pouvez voir. Ouais, je suis vraiment, mes yeux sont vraiment très 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 mauvais. Donc ça c'est le brown, ça c'est quand j'ai les yeux marron, vraiment marron doux et que ça fait super naturel, c'est celui-là. Et quand j'ai les yeux vraiment genre tu remarques que c'est des faux, c'est des lentilles et tout. Enfin, tout le temps tu remarques, j'ai l'impression, bon, bref. Bon, en tout cas, c'est quand c'est vert, marron façon, c'est la couleur hazel et c'est celui-ci. Et comme vous pouvez voir, ma vision s'est empirée entre temps parce que avant j'étais à 2-5, moins 2.50 et maintenant je suis à 3 avec les nouvelles lentilles. Donc c'est Ezol et c'est les deux que j'utilise et c'est de Fresh Look. Encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé. J'ai acheté des fleurs hier et j'en ai acheté aussi pour Sarah parce que vas-y, tu connais quand tu sors avec des Africains, les trucs romantiques comme elle a acheté des fleurs spontanément comme ça pour rien du tout. Ils connaissent pas ça, tu vois. Donc, on est obligé de se l'offrir entre copines. Donc, franchement, si vous avez des copines et que vous sortez, vas-y, avec des mecs qui sont pas très romantiques, offrez-vous des fleurs entre vous. Ça fait toujours plaisir. Et ouais, donc voilà. Donc, j'en ai pris deux hier pour Sarah et moi. Yo, je viens tout juste de finir de manger avec Sarah chez elle. Comme elle, elle analyse à la maison. Je suis en train de sécher les habits. Je me suis fait draguer 3 fois aujourd'hui. Je suis sortie vite fait. Je me suis fait draguer 3 fois. Choquée. Pourtant, je suis normale. J'étais là, bah écoute, peut-être parce que je viens de me coiffer. Parce que quand je ne vais pas coiffer dehors, personne ne me calcule. Je me suis fait draguer 3 fois. Oh là là, MDR. Anyway, là, je vais faire quoi? Je vais faire de la paperasse. Cet après-midi, c'est paperasse. Parce que là, il est déjà 13h, je crois. 13h30. Je vais faire que de la paperasse. Donc, ça ne va pas trop être fun à regarder. Donc là, je viens de terminer d'éditer ma vidéo. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment réussi à tout faire dans les temps. Là, il est 16h40, je vais aller chercher la petite. Donc, il faut que j'y aille là. Et je suis vraiment contente parce que j'ai tout fait. J'ai fait la thumbnail aussi. Je peux l'envoyer au client. Genre, il faut juste que j'envoie le lien au client. Et après, c'est tout. J'ai fait toute ma to-do list aujourd'hui. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une journée très, très, très productive. Après, j'ai l'impression que j'ai pas fait grand-chose. Mais tout ça, c'est parce que j'ai l'habitude de faire beaucoup de choses et d'être épuisée. Or que quand j'allège mes journées, maintenant que la petite va à la crèche, à la nounou, lundi à vendredi, je peux me permettre d'alléger mes journées et de pas être épuisée à la fin. Mais vous savez, quand vous êtes habitué à beaucoup, beaucoup, beaucoup faire, quand vous faites pas beaucoup, vous êtes là en mode... J'ai rien foutu. Or que non, en fait, c'est pas que t'as rien foutu. C'est juste que tu as bien géré ton temps et t'as tout fait dans les temps et t'as pas fait tout d'un coup. Tu les as reportés petit à petit dans la semaine et ça te permet que tu sois pas trop fatigué, épuisé, quoi. Donc voilà, je suis contente. Anyway, je vais chercher la petite. On se retrouve quand on revient avec mon amour. Je suis contente de la retrouver. Mais de rien, me manque, hein. Oh, mon petit cœur. Ça fait trop bizarre. Bref, j'y vais. Je suis tellement contente de pouvoir prendre l'ascenseur. Vous pouvez pas le savoir, ça fait des années. Bon, j'exagère comme d'habitude, mais je suis trop contente. Je cherche ma fille, j'ai pris une petite brioche. A few inches later. Allez, elle est choquée que on doit que l'ascenseur fonctionne. Oh my lady, tell them that you are shocked that this lift is working. You haven't seen it in ages. How do you feel being in the lift? Apparemment, elle a passé une bonne journée. Attendez, je vous raconte. Je suis trop contente. I've missed you so much. So much. Big, big, big hug to mommy. I've missed you. How was your day without mommy? I've missed you so much, pumpkin. Did you miss mommy? Elle est plus intéressée par la caméra qu'un que par moi. Oh, tu peux me regarder? Je t'ai pas vu toute la journée. My little nugget. My little nugget. My little nugget. I love you. Mais suis-moi, je l'ai tellement aimé, tellement manqué. Oui, donc je vous disais que
La nounou a dit que la journée s'est très très bien passée et qu'elle a pas du tout chouiné comme elle faisait d'habitude. Elle a chouiné le matin quand mon mari l'a déposée, bien évidemment, comme tous les matins. C'est normal. Et la journée et tout, elle a pas chouiné comme d'habitude et tout. Elle a compris que la nounou devait s'occuper d'autres enfants. Je suis trop contente, je suis tellement rassurée. Et de toute façon, je pense que là maintenant, comme elle va être là toute la semaine, ça va vraiment mieux se passer vu qu'elle va la connaître de plus en plus. Elle va passer plus de temps là-bas. Et voilà quoi. Oh, I'm so so happy, pumpkin. I've missed you. Après, bien évidemment, elle est toujours enrhumée. Ah, ok, touche, 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 touche. Elle veut juste vous toucher en fait. C'est bon? Ça y est? Can we move on? No? One more time? Ok. That's only because you were so good today. Ok, pumpkin. Bon, là, je vais aller la changer et la débarbouiller. La mettre en pyjama et après je vais passer beaucoup de temps avec elle, faire des petits câlins, elle m'a manqué. Et après son père, ok, après son père va arriver et on va passer du temps ensemble en famille quoi. Mommy little pumpkin. Bon. Good morning. Attendez, j'arrive. J'allais prendre mon labello parce que vous savez que sans ça je peux pas vivre. J'ai monté trop haut la caméra. Allez. Nous sommes mardi aujourd'hui. Yep, nous sommes mardi aujourd'hui. Bonjour, hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui c'est mardi, je vous ai pas montré le matin parce que c'était le rush. J'ai dû partir à un rendez-vous très tôt à 8h, donc je me suis réveillée à 7h. Et j'ai préparé ma fille en vitesse. Je me suis préparée. Et je suis partie à mon rendez-vous et je suis rentrée il y a pas longtemps. Je suis partie en même temps chercher mon colis qui est arrivé dans un point relais. Donc j'ai reçu deux partenariats que j'ai reçus. Donc c'est ce que j'allais faire et je suis revenue. Là il est déjà 11h. Parce qu'entre temps après je me suis assise, j'ai pris mon petit dîner avec Sarah. Enfin bref, vous connaissez déjà. Voilà ce que j'ai fait ce matin. Et là du coup je vais aller faire à manger. Je voulais d'abord venir vous dire bonjour, hello. D'ailleurs je suis fatiguée, je suis épuisée les amis aujourd'hui. Je suis épuisée en plus aujourd'hui. C'est le 8 mai. Bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde entier. Bonne fête à vous. Aujourd'hui, c'est un jour où on est censé rien foutre. On est censé poser les pieds sur la table et nos maris s'occupent de nous. Mais ça n'arrive pas dans ma maison donc. J'espère au moins que chez vous, vous avez pu passer une bonne journée, que votre chérie vous a offert des fleurs, etc. Bref, quelque chose pour vous souhaiter bonne fête. Sinon, c'est pas grave. On est ensemble dans la team. Il ne s'est rien passé. Thank you.
Les amis, laissez tomber, je suis épuisée aujourd'hui, je suis dans tous les sens. Je sais même pas ce que j'ai foutu, mais je vois que la journée est déjà 17h. Je suis en mode, comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il soit déjà 17h? Enfin bref, je devais aller chercher ma fille, mais finalement c'est mon mari qui allait la chercher parce qu'il est en télétravail aujourd'hui, Dieu merci. Mais je devais sortir pour envoyer un colis Vinted. C'est ça que je voulais vous dire, qu'il faut grave que je reprenne les commandes Vinted, que je renvoie les... Enfin, que je poste. C'est ça qui est relou sur Vinted. Rien que le processus pour poster la photo, l'enregistrer, mettre en vente et tout. Oh, c'est trop long. Parce que j'ai beaucoup d'habits aussi. J'ai tellement de choses. En fait, il faut que je fasse un tri de mon placard. Et que après je prenne en photo, je mette sur Vinted et après voilà, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et j'ai pas le temps, mais il faut que je le fasse. Donc là, j'ai eu une commande hier d'un truc qui était dessus qui datait de ouf. Et du coup, il faut que je l'envoie, mais je vais l'expédier demain quand j'irai chercher ma fille parce que là aujourd'hui, je vais pas sortir juste pour ça quoi. Bref, ça c'était une parenthèse. J'avais quoi d'autre à faire aujourd'hui? J'avais une vidéo Reels à faire avec mon mari. Ah oui, c'est ça qu'on a fait aussi dans la journée. J'avais une vidéo Reels à faire avec mon mari. Je l'ai fait, je vous la mets juste ici. Elle est juste trop drôle. Avec le son, c'est mieux. Donc allez là, mon Instagram qui s'affiche là. Et ouais, c'est vraiment une bonne vidéo, c'est un reels vite fait. Et j'avais aussi une vidéo partenariat avec mon mari, on l'a faite, mais je pense qu'on va devoir la refaire parce que bref. Pour mon colis Vinted, c'est cette robe-ci que j'ai vendue. C'est une robe au poli. En fait, allez me suivre sur Vinted parce que je sors les trucs rapidement et c'est toujours à petit prix, vraiment petit prix. C'est limite neuf, enfin c'est neuf, je l'ai jamais porté, j'ai porté une fois pour faire des photos et j'ai jamais porté sinon. Il y a encore l'étiquette, non? Non, j'avais enlevé l'étiquette. Mais c'est vraiment les trucs neufs que j'ai reçus pour des partenariats. J'ai fait des photos et je les ai jamais portées. Et je les vends à petit prix. Donc je vous conseille de me suivre sur Vinted. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Suivez-moi et activez les notifications sur mon compte. Comme ça, quand je poste, vous êtes les premiers à savoir. Parce que premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas de réservage. Il n'y a pas de attend et tout. Non, la première personne qui vient, qui paye, c'est bon. Premier arrivé, premier servi. Donc, ensuite, le petit papier de Vinted. Et un sachet dans lequel je vais envoyer le colis, ça et ça. Voilà, ah oui, et le petit parfum. Parce que je mets toujours mon parfum sur les vêtements. Même si je sais que la moitié quand ils reçoivent les vêtements, quand ça arrive, ils lavent les vêtements, je le sais bien. Mais c'est juste que j'aime bien quand ça arrive et ça sent bon. Et je sais que j'ai déjà reçu des messages des gens qui m'ont envoyé sur... Instagram après avoir commandé, oh j'ai reçu, ça sent ton odeur, enfin ça sent super bon, c'est ton parfum et tout. J'étais là, ouais, il me demande c'est quoi le parfum, c'est quoi l'odeur, ça sent trop bon. Et donc voilà, bref, je trouve que c'est plus agréable de recevoir quelque chose qui sent bon que de recevoir quelque chose qui sent la soupline quoi, tu vois. Mais bon bref, chacun son délire. Donc tu mets ça dedans, vous connaissez, voilà. Tu coupes ta fiche. Là tu plies en deux la fiche destination. Je prépare maintenant comme ça au moins demain je suis tranquille parce que mes journées vont trop vite. Nous sommes déjà mercredi demain les amis, vous en rendez compte? Comment on a fait pour arriver à mercredi? Or que hier je vous disais déjà bonjour, bon début de semaine. Vraiment, c'est terrible. J'aplatis bien. Voilà, je vais mettre un petit coup de scotch. Ça c'est fait, du coup je le dépose à l'entrée. Demain quand j'irai chercher Malé à l'après-midi, je partirai avec, ou si je sors entre temps, je sais pas trop c'est quoi mon programme de demain. Oh, demain j'ai une, une envie, je vous dis pas, demain j'ai envie de ne rien foutre. En fait demain le mercredi j'ai envie de me réveiller, faire le ménage complet, parce que comme je vous ai dit, il y a ma belle-sœur qui vient vendredi, j'ai envie de faire le ménage complet, mais vraiment de partout. Donc me tue à la tâche. J'ai pas à manger à faire parce que j'ai déjà fait à manger là. Bon, sauf si on le finit, bon c'est pas grave, j'ai pas à manger à faire, donc voilà. Parce que j'ai déjà fait à manger, il y en aura encore pour demain. J'ai envie de faire le ménage complet et après m'asseoir, boire du thé toute la journée et regarder la télé. J'ai envie de regarder les films de TF1 de l'après-midi, vous savez, les tarés là. Soit la mère qui vole le bébé de l'autre, ou la femme tarée qui vient casser le ménage de l'autre. Toujours des trucs de ouf, les meufs, elles sont toujours dingues. Ou les jeunes du lycée qui tuent l'autre et tout par jalousie parce qu'elle est populaire. Bref, les meufs qui regardent les films de l'après-midi, on est grave dans le même game. Tout ça parce que moi, avant, je kiffais trop les films de l'après-midi. Je kiffe toujours autant, mais c'est juste qu'en fait, j'ai plus le temps. Mais avant, je regardais que ça. Film de l'après-midi, c'était ma life. Mais je le regardais toujours en replay, tu vois. Je regardais, j'avais jamais le temps de le regarder à l'heure, tu vois. Mais là. J'ai grave envie de faire ça demain tellement je suis fatiguée. Je suis trop fatiguée. Trop fatiguée. Ce week-end, je me suis pas reposée. Je suis épuisée. Bref, parenthèse. Je vais éditer la vidéo du partenariat avant que ma fille n'arrive. Je pense que ça va arriver dans un instant. Regardez les deux signes. Des tarés tous les deux. Bon, Malé est rentrée. Elle a passé une très bonne journée apparemment, la nounou elle a dit.
Elle a pas trop pleuré et tout. En gros, elle s'adapte très bien. Bah, bah, bah. On est très, très contents. Malé, elle est super malade. Elle s'est réveillée cette nuit. Vers 2h. Enfin, nous, on l'a réveillée parce qu'il fallait qu'on nettoie son nez. Elle n'arrivait pas du tout à respirer. Elle respirait par la bouche. Et après, en même temps, désolé, bonjour. On est mercredi. Nuit difficile. Ouais, donc on a dû la réveiller vers 2h du matin pour mettre. Pour lui nettoyer le nez parce que ça allait pas du tout, elle n'arrivait pas à respirer. Quand elle mettait la tétinée, c'est tout fait parce que du coup le nez était bouché. Et en plus de ça, on a remarqué quand on l'a réveillée qu'elle était toute chauffante. Donc elle avait de la fièvre, super. Alors que demander de plus? Heureusement qu'on l'avait réveillée parce que. En fait, moi j'ai fait mon chignon, mais il se barre quoi. Heureusement qu'on l'avait réveillée parce que elle avait de la fièvre. Voilà, donc. Heureusement qu'on l'a pas laissé dormir parce que dormir avec de la fièvre, on n'avait pas mis de doliprane la veille. Avant qu'elle ne s'endorme, donc enfin bref, je vous épargne tout ça, vous connaissez. On l'a réveillée, on a nettoyé son nez, on a mis le doliprane et on l'a recouchée avec nous dans notre lit parce que voilà, elle était malade. Donc comme ça, elle restait pas toute seule. Elle s'est réveillée ce matin, elle va un peu mieux, du coup, elle avait plus de fièvre, le nez n'était pas aussi bouché qu'hier. Donc c'était déjà ça. De toute façon, je vais rentrer, je vais l'enlever. Là, je me suis levée parce qu'il faut que j'aille voir la nounou en fait. Je vais déposer Malia ce matin, c'est pas Armel qui va la déposer. Donc on est en train de descendre. On va déposer la petite. Let's go maman. Donc je suis rentrée les amis, je suis allée voir sa nounou comme je vous ai dit. Et je lui ai juste demandé que quand ils sortent et tout, qu'elle lui mette les chaussures, si je mets les chaussures, le plaid, si je lui mets le plaid. Etc, etc, tu vois, parce que sinon ma fille elle va jamais être malade. Mais après, elle me dit que les autres enfants qu'elle garde aussi sont malades et que c'est juste la période. Et que voilà, après les enfants, vous savez, hein, à partir du moment où ils vont, oui, je l'enlève devant vous, à partir du moment où ils vont chez la nounou, à la crèche, laisse tomber, c'est un nid de microbes, donc ils sont tout le temps constamment malades, faut juste l'accepter. Donc, je comprends qu'il faut que je l'accepte, mais bon, voir mon bébé aussi pas bien, c'est difficile. Mais bref, anyway. Voilà, programme d'aujourd'hui, je retourne me coucher dans mon lit. Je sais pas, vous avez pensé que j'allais faire quoi d'autre en fait. MDR, aujourd'hui, on est mercredi, je suis KO. Me demandez pas ce que j'ai fait pour être fatiguée. Parce qu'honnêtement, je vois pas tout ce que j'ai pu foutre de toute la semaine qui m'a fatiguée. Mais bref, n'empêche que je suis fatiguée, du coup, je vais repartir me coucher. Je pense que je vais quand même faire la petite vaisselle. Je vous ai dit que je voulais faire le grand ménage aujourd'hui, mais je pense que je vais le faire vendre. Attends, parce qu'aujourd'hui, ce soir, je vais à Leclerc. Faire les courses avec Sarah. Jeudi, ben, il n'est pas là. Et vendredi, va sûrement vouloir aller se coiffer. Donc en soi, je ne pourrais faire le ménage. Au pire, je le fais vendredi. Ouais, mais le problème, c'est que si je ne fais rien aujourd'hui et que jeudi et vendredi, je dois faire le ménage, je travaille pas. Quoi. Bref, je vais finir de brainstorm dans ma tête et je vais voir. Et puis, c'est surtout comment je me sens. Je me sens juste fatiguée parce que voilà, comme j'ai été réveillée en plein dans la nuit, j'ai pas bien dormi vu qu'elle dormait pas bien, ma fille. Donc je sais pas, je vais voir, je vais voir. Pour l'instant je suis en mode flemmarde. On est mercredi, il fait moche, il fait gris, il pleut et je sens que je vais faire mon chocolat chaud, mon petit déjeuner au lit. Je vais me poser dans mon lit et je vais dormir. On a reçu la photo, vous savez, dans le troisième petit cadre là-bas, la photo de Malia. Parce que du coup la première photo c'est Armel et moi quand on s'est mariés, la deuxième photo c'est quand j'étais enceinte et la troisième photo c'est quand Malia. Le résultat, on dirait un petit papillon. Malia, elle a évolué. Oh, est-ce que je vous montre la photo ou est-ce que j'attends quand c'est dans le cadre? Bon, je vous le montre maintenant et quand ce sera dans le cadre, vous allez le voir encore. Regardez, elle est trop mignonne. Ouh, les joues, le bide. Ah, on peut pas dire que ma fille elle mange pas. Hein. Elle est trop mignonne. Oh, c'est un mélange de moi et de son père. Oh. J'aime beaucoup l'évolution de ces photos parce que du coup j'ai l'impression que c'est un peu comme l'évolution genre des papillons. Tu sais, c'est d'abord une chenille, après ça se transforme et ça s'envole, tu vois. Je trouve ça trop beau. Donc du coup là en troisième ce sera Malia. Je trouve ça vraiment cute. Donc on va la mettre ici. Je suis sortie de la douche il y a 10 minutes. Je me suis habillée, je descends. Je vais chercher Malia, il est 16h30. Ah,
mon dieu, je suis KO, je n'ai rien foutu. Comme vous avez vu, je me suis réveillée, j'ai mangé, enfin j'ai fait à manger, j'ai mangé, je suis allée me reposer au lit, j'ai rien foutu toute la journée. Et juste avant ça, je me suis, quand vous avez vu que je suis venue manger, je me suis réveillée, du coup j'ai fait une sieste de 2h30, 2h. Ouais, je suis très contente, j'ai très bien dormi, donc je crois que j'ai dormi de 11h à 13h. Ouais, j'étais très contente et après tu connais, dès que 13h passe, j'ai l'impression que ça y est, la journée file comme ça, donc laisse tomber. C'est déjà la fin de la journée, je dois aller chercher ma fille. Mais bon, j'ai hâte de la retrouver parce que je peux même passer toute la journée sans elle. Ça me fait archi bizarre encore. Faut vraiment que je commence à m'habituer. Bref, c'était une parenthèse. Je m'habille, je vais la chercher et on se retrouve quand on revient. Et aujourd'hui, c'était vraiment une journée off. Genre, en fait, peut-être que j'aurais même dû le filmer en voix off, tu vois. Genre en mode, pas forcément parler, mais bon, bref. J'ai enlevé ma pochette, ça sert plus à rien de la remettre. Ça m'a saoulée parce que je vais les détacher mes cheveux et les laver. Et je vais refaire une autre coiffure parce que le blanc là, je déteste quand il y a du blanc comme ça là. I miss you so much. Calcule pas, elle veut la caméra. Later that same evening. Donc les amis, je viens de me préparer. Comme vous avez vu, je me suis changée, j'ai mis un jean. Je suis en train de partir avec Sarah. On va à Leclerc faire des petites courses parce que j'ai presque plus rien. Donc il manque certaines choses. Du coup, je vais acheter. Et m'aller avec son père. J'ai attendu qu'il arrive avant de bouger, bien évidemment. Donc on y va. Venez avec moi. Ça me fait trop rire parce que c'est genre maintenant que je me prépare. Toute la journée, je suis en pyjama. Bref. Hey little princess, good morning, good morning mama, how was your precious night, was it better, yes, yes pumpkin. Bon, je vais jeter les poubelles juste avant d'aller accompagner Malia. Je suis tellement contente que l'ascenseur fonctionne, vous pouvez pas savoir, ça nous sauve trop la vie. J'aime trop les perruques comme ça que t'as vraiment rien à faire, t'as juste à la prendre, à la mettre sur ta tête quoi, c'est vraiment trop la vie. Et vous voyez comme ça, vous pouvez croire que c'est une lace, alors qu'en fait c'est une closure. Trop bien. On va chez la nounou, regardez qui est avec nous aujourd'hui. Il est jamais là normalement mon mari, mais aujourd'hui... Eh ben où est-ce que tu es? Son déjeuner du midi, comme lui c'est son déjeuner pas avec l'avocat. Et ton déjeuner du midi? N'importe quoi. Bon, je suis arrivée à la maison. Je vais commencer à vaquer à mes occupations, qui est le ménage aujourd'hui. Flemme, 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 flemme. Regardez, attendez, je sais même pas où me mettre sans avoir le reflet pour que vous voyez bien comment mon mari l'a mis dans le cadre. C'est pas trop beau? Elle est trop mignonne. Bon, il a un peu coupé sa main ici. J'avais le seum parce que je vais bien que je coupe ce côté parce qu'il y a plus de place. Et là, il a coupé sa main. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça fait mon effet papillon, comme je vous disais. Contente que maintenant ce soit fait là-bas et que j'ai plus un cadre vide parce que j'avais un cadre vide pendant très longtemps. Donc voilà, anyway, je suis rentrée à la maison. J'ai ouvert de partout avant de sortir. Je suis arrivée, j'étais en mode ouf, il fait un peu frais ici. Mais tant mieux parce que du coup, ça enlève tous les microbes parce que comme elle est malade, du coup, c'est bien d'aérer pendant longtemps. Donc là, ça aérait pendant genre 30 minutes, voire une heure. Et voilà, anyway, je suis rentrée, je vais regarder ma to-do list, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire today, what do we have to do, c'est l'anniversaire de Nalé aujourd'hui, je vais lui dire joyeux anniversaire, wake up and get ready, aller déposer Malia, j'ai une vidéo de partenariat à faire, je dois éditer un weekly vlog, enfin un weekend vlog pour notre chaîne à deux, donc Team DL, mon mari et moi, et je dois aller à la pharmacie, ah non finalement je dois plus aller. Parce qu'elle vient de me passer du Vicks Vaporum, Sarah. En fait, de base, je devais faire le ménage demain, vendredi. Mais finalement, je vais le faire aujourd'hui parce que c'est trop sale. C'est trop sale, c'est trop sale. Je vais pas m'en sortir. Je vais pas, ça va me stresser d'avoir une maison aussi sale. Donc, je vais... Donc, voilà, je vais devoir faire le ménage aujourd'hui.
Oui, bonjour, je peux commander, s'il vous plaît, je viens chercher. Oui. Oui. Il n'y a pas de souci. Alors, j'ai deux commandes. Je commence par une. Je vais prendre un menu duo. Un duo, oui. Oui. Il me reste les deux miroirs que j'ai pas fait. J'avais envie de les faire, mais j'ai pas le temps. Je dois aller chercher nos repas. Je suis en train de sortir à l'heure où ils ont dit que le repas était prêt. Donc je vais arriver en retard. Mais bon, c'est pas grave. Je viens de rentrer avec le repas. J'ai hâte, j'ai super faim. Je suis rentrée, j'ai fini de manger avec Sarah. Il est 14h03, archi tard. J'ai reçu un colis d'Amazon. J'ai commandé un humidificateur d'air pour la chambre de Malia parce que sa chambre est super sec. Sèche une chambre. Sa chambre est super sèche. Oupsie, quel réflexe. Ouais, donc j'ai commandé un humidificateur d'air pour la chambre de Malia. C'est bien mon paquet, ouais, parce que parfois ils se trompent dans les boîtes aux lettres. Et j'ai commandé... C'est tout, hein. Ah oui, donc aussi j'ai commandé ça. Je vous avais montré ça dans mon précédent weekly vlog. C'est la seringue nasale pour nettoyer le nez de ma fille. J'en avais commandé deux. Bah, enfin, ça vient par deux de toute façon, donc on commande un seul. J'en avais commandé, mais j'en ai mis un à la poubelle une fois vers 3h du matin quand je la changeais, enfin quand je faisais son nez. Laissez tomber, j'étais tellement KO que j'en ai mis un à la poubelle, du coup j'en ai recommandé un deuxième. Pour tous ceux qui savent pas, je sais pas si je vais vous montrer dans ce vlog. Peut-être demain quand je vais nettoyer son nez le matin. Je voulais le faire ce matin, mais j'ai oublié. En gros, tu enlèves, tu mets le sérum physiologique dedans et tu fais dans le nez de l'enfant et ça ressort tout de l'autre côté, les morves et tout, c'est très bien. C'est mieux que d'utiliser le sérum fil en l'embout en lui-même parce qu'il est petit et il faut que tu appuies vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je sais que personnellement, je galère avec le sérum fil, j'ai grave du mal. Mon mari sait le faire, mais moi, j'avais grave du mal et du coup, ça m'aide parce que c'est vraiment plus épais. En plus, c'est en plastique, donc vous inquiétez pas, vous faites pas mal à l'enfant du tout. Et vous mettez et vraiment tout sort d'un coup. C'est vraiment top. C'est ce que les gens, c'est ce que les médecins utilisent à l'hôpital. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Anyway, donc là, il est déjà 14h les amis. Il faut que je m'active. 14h. Je suis contente parce que la vidéo partenariat que j'avais fait avec mon mari, elle a été validée par le client. Du coup, ça peut go. Là, je vais faire une vidéo partenariat. Et j'étais censée éditer une vidéo, mais j'aurais pas le temps. Clearly. C'est la vie. Et ouais, donc c'est ce que je vais faire. Donc souhaitez-moi bonne chance parce que les vidéos partenariat à faire parfois. Je te demande comment est-ce que tu vas pouvoir le faire. But. Je vais réussir à le faire. Donc, let's go. Donc, je viens de finir de faire ma vidéo partenariat. J'ai grave le seum parce que je devais faire le linge. Enfin, plier parce que les habits sont secs. Et j'ai oublié. Et j'ai un linge qui est là-bas qui n'est pas sec. Et je dois aller chercher ma fille. Il est déjà 17h. Donc, en fait, j'ai pas eu le temps. Mais la vidéo partenariat m'a pris 10 fois plus de temps que prévu. C'est horrible. Ah, j'ai le seum. Bon, bref, c'est pas grave.
Je vais exporter les vidéos, je vais aller chercher ma fille. Est-ce que ce weekly vlog il a même un sens? Dans tous mes weekly vlogs, je dis ça. Dans tous mes weekly vlogs, je suis en mode, oh, ce weekly vlog, il n'a pas de sens, etc. et tout. Et vous savez, parfois, ça, c'est un truc aussi que je voulais vous dire la dernière fois. Nous, les créateurs de contenu, parfois, surtout quand on fait des weekly vlogs, parfois, on est là en mode, je sais qu'il y a grave des youtubeurs et youtubeuses qui font des weekly vlogs, qui vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est que quand on fait des weekly vlogs, parfois, on est en mode, ah, mais en fait, cette semaine, c'est grave pas intéressant, ou on n'a rien à vous montrer. Ou oh non c'est nul, je fais que parler, ou je fais que, ou je suis que dehors, c'est entrecoupé les sorties, ou enfin bref, parfois en fait on a l'impression que le contenu il est pas bon, ou il est pas assez bon, parce que sachez qu'on est notre propre juge nous-mêmes avant de vous le présenter. Donc du coup c'est parfois c'est super difficile parce que on est en train de juger notre travail avant de vous le montrer, et parfois on est là en mode oh, non il est nul, vas-y viens je monte pas, viens je le donne pas, viens je le sors pas, ou tout simplement j'arrête de vlogger en pleine semaine, genre je vais vlogger genre lundi, mardi, je vais voir que ma semaine elle est pas très intéressante, je vais arrêter de vlogger, or que parfois en fait quand on poste la vidéo, on a grave de bons retours, genre en mode oh j'aime trop, elle est trop bien et tout, j'ai trop aimé ce weekly vlog, grave bien et tout, là on est en mode mais il n'y a rien du tout dedans, tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait nous on a tellement des expectations là, on se dit tellement que on veut vous proposer du contenu de quality que ça nous fait bizarre quand on vous poste un contenu, il n'est pas nul parce que vous vous appréciez en soi, mais c'est juste que nous on a jugé que c'était pas très intéressant, parce qu'honnêtement si je devais rester là et me poser des questions et me dire que oui je poste ça, je poste pas, mais je posterai rien parce que je me dis qui a envie de me voir en train de faire le ménage, pourtant je sais qu'il y a des personnes que ça intéresse de voir ça dans mon weekly vlog, tu vois ce que je veux dire, mais moi honnêtement je me dis mais Talia, personne veut te voir en train de faire du ménage ou personne veut te voir en train de parler à ta caméra, donc c'est grave difficile en fait de vraiment genre juger, de se dire que oui vas-y on poste pas parce que bah parfois on trouve que c'est pas très intéressant, bref on est grave dur avec nous-mêmes, donc voilà, mais bon après en général j'ai remarqué que plus j'hésite à poster quelque chose, plus je me dis non c'est nul, les gens ils vont pas aimer, et au contraire plus les gens ils apprécient, donc en fait c'est comme ça que je vais maintenant, et quand je suis grave sûre de moi que ah ouais cette vidéo est trop stylée, elle va bien sortir et tout, les gens ils vont grave kiffer, il y a genre 10 000 vues, tandis que les vidéos où je suis pas du tout sûre, il y a genre 50 000 vues en 4 jours, tu vois. Bref, parenthèse, laissez-moi exporter ça et aller chercher ma fille et on se retrouve plus tard. J'avais complètement oublié de signer la feuille de pour les 5 jours de Malia. Du coup, la nounou, elle me l'a rappelé. Et voilà. J'y vais, je suis en retard, comme d'hab. We are back from the nanny. We are going back home with Malia and mommy. Pauvre, elle respire par la bouche, mon bébé. Nous sommes en train de partir. C'est qui est tout en rose comme maman? Do you want to show them how you say bye-bye? Bye-bye. Wave to the camera. Say bye-bye. Bye-bye. Elle dit bye-bye maintenant. Donc, je viens de rentrer, d'aller déposer Malia. Coucou, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi. Vous avez vu, ce matin, je me suis occupée d'elle. Et je l'ai préparée. Et on est parti la déposer. Donc je devais continuer directement parce que je dois aller à Bureau Vallée, je dois aller où déjà, je dois aller à Carrefour et tout, enfin bref, j'ai des petites courses à faire, mais finalement je me suis dit que non, je vais rentrer, je vais finir le petit ménage qu'il y a ici à faire et après je vais aller, vous savez qu'aujourd'hui c'est vendredi, du coup il y a ma belle-sœur qui arrive, donc on va lui laisser notre chambre vu qu'elle a deux enfants, donc avec le cododo c'est plus intéressant pour elle de dormir là, et vu que Malia dort dans sa chambre de toute façon, donc nous on va aller dans la chambre d'amis et on va lui laisser notre chambre, donc là il faut que je fasse le lit, change les draps. J'ai préparé son cododo hier pour la petite. Donc, il faut que je fasse la chambre d'amis pour nous, mon mari et moi, du coup. Pas mal de choses à faire. Oui, j'ai reporté les mêmes habits que la dernière fois. Parce que, honnêtement, quand il y a un temps comme ça, un peu grisâtre et tout, je sais pas comment m'habiller. J'ai vraiment du mal. Moi, je suis une meuf de l'été. Avec les habits courts, tu vois, tu connais. Moi, c'est vraiment ça, même mon style de vêtements. Mais là, je sais pas du tout comment m'habiller. Bref, c'est pas grave. Après, il faut que je fasse. J'édite le partenariat que j'ai fait hier.
que je vais terminer, je l'édite. Et j'ai le weekly vlog à éditer. Enfin bref, j'ai trop de choses à faire. Et ce soir après, j'ai rendez-vous à 17h30 chez le médecin pour Malia. Pour voir, juste pour m'assurer que son rhume là, vu que ça dure déjà depuis 2 semaines et demie, 3 semaines bientôt, que ce soit pas plus grave et qu'on le laisse passer, tu vois. Donc voilà, donc ouais, j'ai rendez-vous ça et voilà. Pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc là, je vais faire le petit ménage, comme je vous ai dit, je vais manger de la mangue. J'ai grave envie de manger de la mangue, je vais faire le petit ménage et dans 1 heure, je ressors. Et voilà, j'ai fini de préparer la chambre pour ma belle-sœur. Comme vous pouvez voir, c'est juste trop beau. J'aime vraiment beaucoup. J'ai fait le lit, je lui ai préparé le cododo. Je l'ai recollé parce que sa fille, elle est encore toute petite. Petit bébé. Je lui ai mis une serviette. J'ai enlevé nos serviettes à nous. Je lui ai préparé la salle de bain. Elle est toute propre. Elle est toute belle, toute propre. Nickel. Nettoyer là-bas, laver. Voici le partenariat que j'étais en train de faire hier, les deux robots. J'ai fini de ranger à la maison et là je suis en train d'aller vider les poubelles. Et puis j'y vais, je vais faire le petit cours que je vous ai dit. Ouh, je suis fatiguée déjà avant d'être sortie. Donc j'ai fait mes petites courses, je suis en train de rentrer, je sais pas comment est-ce que je fais pour être fatiguée, il est que midi, j'ai envie de dormir, mais j'ai tellement de choses à faire que je peux pas me permettre de dormir en fait. En fait c'est parce que j'ai mal dormi, je vous ai même pas dit, mais Malia laisse tomber, comme elle a enrhumé, c'était compliqué cette nuit. Je viens de rentrer, je crois que vous m'avez vu dans dans ce décor toute la semaine. Et surtout avec le même habit, j'ai l'impression que j'ai porté ce jogging toute la semaine. Franchement, moi, je suis comme ça. Moi, en plus, comme je sors pas longtemps, je suis vite fait, tu vois. Du coup, je me porte les mêmes trucs. Et surtout, je vous ai dit, c'est l'hiver. En été, je peux me changer 14 fois. Mais en hiver, pour me voir m'habiller, c'est compliqué. Voilà pourquoi j'ai pas de photos à poster sur Insta. J'ai pas d'inspi. L'hiver, pas d'inspi. J'ai reçu un colis. Plus emballé, je peux pas faire. Hein. C'est quoi, c'est de l'or ou quoi dedans? Ah, c'est une perruque. Un partenariat. J'ai reçu. C'est la perruque Highlight. En fait, de base, c'est cette perruque que je devais faire le partenariat que vous avez vu. Ah, la vidéo sort aujourd'hui. Cette vidéo. C'est de cette couleur, c'est que j'aurais dû faire. Ils se sont trompés, ils m'ont envoyé le noir. Du coup, ils me l'ont renvoyé en cette couleur. Et j'avais déjà fait le noir. J'avais déjà filmé en noir, donc tant pis. Et voilà. Ils ont été sympas quand même de me la renvoyer. Du coup, ça m'en fait deux. Au lieu d'un seul. Donc, si vous êtes intéressé par cette perruque, allez voir la vidéo que je vous ai mise. Parce que ce sera là-bas. Ouh, elle est belle. Ouh là 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 là. J'ai jamais mis de perruque bouclée. De couleur highlight, pas mal. Je pense que je vais la mettre ce week-end pour l'anniversaire de Nali. Trop beau, j'aime vraiment bien. Bah écoutez, ce week-end je vais la mettre. Peut-être qu'on se verra lundi avec de la semaine prochaine. Du coup, pour vous, le prochain weekly vlog, pas mal, 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 pas mal. Eh les amis, je suis KO comme je vous disais. Je dors pas bien, je dors pas bien, ma fille dort pas bien. Du coup ça fait que je ne dors pas bien. Je sais pas si je l'ai déjà dit, si j'ai déjà parlé de ça. Mais j'ai l'impression que je sais pas. De toute façon en éditant la vidéo, je verrai si j'ai déjà parlé de ça, je le couperai. Mais je voulais parler des boucles d'oreilles de ma fille. Beaucoup me posent la question, oui, où est-ce que tu l'as percé les oreilles, etc. En France, on peut percer les oreilles dès 6 mois à un enfant
à un enfant de 6 mois. Et je l'ai percé à Claire's. C'est chez Claire's qu'ils font. Je sais que les autres, il faut attendre 2-3 ans. Mais Claire's le fait à partir de 6 mois. Donc voilà, moi, ma fille, elle avait 7 mois quand je lui ai percé les oreilles. Et voilà, je l'ai fait il y a une semaine ou deux semaines. Et là, ça a déjà cicatrisé. Voilà. Enfin, c'est très bien ces oreilles-là. Et voilà, donc je sais pas si je l'avais déjà dit ou pas, mais comme j'ai eu pas mal de questions dessus, je vous le dis, c'est pas du tout sponsorisé, ne sait-on jamais. Mais c'est juste qu'il y a plein de gens qui étaient surpris de voir que j'avais percé les oreilles de ma fille. Mais c'est normal parce que c'est autorisé à partir de 6 mois par les pédiatres. Donc voilà, après ceux qui veulent attendre, c'est votre choix. Je comprends totalement. Et aussi, vous savez, je me suis rendu compte, je sais pourquoi est-ce que ma fille, elle faisait que pleurer. Je sais pourquoi elle passait. Enfin, genre, en fait, dès que tu pars d'une pièce, dès qu'elle te voit plus, elle pleure. Et je sais que ma soeur, elle m'avait dit que oui, attends-toi à ce qu'il y ait un stade de l'abandon, qu'elle ait peur de l'abandon, et que dès que tu disparais d'une pièce, elle commence à pleurer et tout. Mais moi, je m'étais dit, ça arrivait. Dans ma tête, je me suis rappelé qu'elle m'avait dit ça, mais que ça allait arriver vers 9 mois. Ma fille, elle a 7 mois et c'est exactement ce qui est en train de l'arriver. Entre le fait qu'on l'ait mis chez la nounou, ça l'a chamboulé. Qu'elle soit dans sa chambre, ça l'a chamboulé. Et maintenant, elle a la peur de l'abandon, laisse tomber. Ses émotions, ils doivent être dans tous les sens. Genre, ses émotions, son hormone, ça doit vraiment être partout dans son corps. Donc, je comprends totalement. J'ai googlé pour pouvoir mieux vous l'expliquer. C'est quoi la peur de l'abandon? Je vous le screen juste là. Du coup, je vais vous le mettre là. Alors, ils disent que la peur de l'abandon, elle se manifeste. Elle se manifeste généralement entre le 6e et le 8e mois. Elle peut inquiéter les parents car l'enfant est en symbiose complète avec sa maman et refuse toute forme de séparation. Il s'agit d'une période normale dans son existence qui est assez rapide et qui arrive peu à peu à surmonter. Donc c'est ça que je vais vous le mettre ici. Donc en gros, votre bébé est en pleurs dès que vous quittez la pièce. Il n'accepte les bras de personne d'autre. Il a quelques problèmes de sommeil, notamment au moment du coucher. Et s'il était rentré dans la phase d'angoisse de la séparation. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et l'angoisse de la séparation, aussi appelée peur de l'abandon, est une étape normale du développement de votre enfant. Le plus souvent, le bébé passe par cette phase vers le 8e mois. Il ne supporte pas votre absence, veut en permanence être dans vos bras. Parce que c'est totalement ce que m'allait à vie. Et ouais, quand t'es informé, tu sais comment le prendre, quoi, tu vois. Donc voilà, si vous aussi vous avez votre enfant, voilà. Si vous aussi vous avez votre enfant qui passe par là, franchement, et si vous avez votre enfant n'est pas encore dans cette phase, commencez à vous préparer dessus parce que franchement, tu peux plus rien faire. Tu vas faire la vaisselle, elle pleure. Tu vas aller te doucher, elle pleure. La dernière fois, j'étais face à elle. Je l'ai prise, je l'ai mis dans son cododo, je l'ai mis dans la salle de bain. J'étais face à elle, j'ai ouvert les rideaux, je me suis lavé, j'aurais voyé tout. Elle pleurait quand même, j'étais là, non. C'est grave, c'est grave. Les quelques trucs pour pouvoir apaiser le bébé pendant cette phase. Éviter les périodes de séparation trop longues. Lol, quand je la mets à la crèche toute la journée. Bien parler à l'enfant, toujours tout expliquer, lui dire que vous allez revenir, lui donner une date en nombre de dodo par exemple, même si vous avez l'impression qu'il ne comprend pas. Ça, c'est grave important, ça, les nombres de dodo, mais bon, moi je dors pas loin de ma fille. Prévoir des périodes de transition, essayer de vous absenter une heure puis deux, donner un objet transitionnel comme un foulard ou un t-shirt à votre odeur pour que ça le rassure. Ça, c'est pas mal, mais j'ai essayé ça une fois, c'est quand elle était dans son lit et qu'elle pleurait la nuit vers 4h du matin. Je vous avais déjà parlé ça dans un autre weekly vlog. J'avais mon débardeur dans lequel je dormais la nuit. Je me suis levée, je l'ai enlevé, je lui ai donné. Elle voulait rien entendre, ma fille. Elle n'était pas dedans dans vos histoires là. Elle a dit non. Elle voulait que je la prenne dans mes bras ce jour-là. Je lui ai donné, j'étais là. Hey, il pue mon t-shirt. Je transpire et tout. Je te le donne, il y a mon odeur. Elle voulait rien entendre. Prévenir l'enfant même quand on change de pièce. Ouais, moi c'est ce que je fais. C'est exactement ce que je fais. C'est que quand je la pose, je dis Malia, maman elle va dans la salle de bain, elle va laver ses mains, elle arrive, tu vois. Comme ça elle comprend. Après elle peut chouiner, mais au moins elle sait que je l'ai prévenue. C'est pas tu pars du tout au tout, genre tu la laisses et tout. Elle va pas comprendre, tu vois. Et beaucoup pensent que les enfants ne comprennent pas et que ah elle va pas voir la différence ou c'est juste 2 secondes, je vais dans cette pièce et tout. Non, parce que t'es là il y a 2 secondes et dans 2 secondes après tu n'es plus là pour elle, c'est que tu l'as abandonnée, elle a pas capté, tu vois. Grave important de faire ça, ils ont totalement raison. Mais ouais, en tout cas j'espère vraiment que ça va vite passer. J'espère que ça va durer un mois et pas plus. Mais je remarque quand même de la différence. Au début c'était vraiment des pleurs constants, or que là je peux partir, elle va d'abord attendre 1 minute peut-être, 2 minutes, et après elle va commencer à se poser la question, genre en mode je vois plus maman, où est-ce qu'elle est, tu vois. Donc ça va, il y a de l'amélioration avec le temps. Enfin bref, de toute façon, c'est les enfants. Donc là je vais aller manger mes sushis qui me restaient, et ensuite mon mari vient de m'appeler, il m'a dit que comme ça ça arrive, il veut faire du saumon, mon plat préféré, et des pâtes, et j'ai dit ok. Donc en fait je suis sortie, il aurait dû me le dire plus tôt parce que du coup j'aurais pu prendre du saumon en chemin, et là faut que je ressorte, c'est pas grave. De toute façon j'avais pas acheté de fleurs, donc je vais les acheter, je vais en profiter, et ouais bref, d'abord je mange et après on verra. I
Donc les amis, je suis allée chercher la petite princesse et on est parti chez le médecin pour son rhume. Il a dit que ça va, c'était pas une bronchiolite ou autre chose, et que c'était un rhume, c'était un virus qui allait partir tout seul. Il nous a donné du sérum Phi. C'est exactement ce que je pensais qu'il allait faire. Enfin bref les amis, c'est la fin du weekly vlog. J'espère que vous avez kiffé le weekly vlog avec moi. Vous avez passé une bonne semaine. Honnêtement, je me rappelle même plus ce qui s'est passé lundi. Donc c'est pour vous dire, je sais pas trop comment ce weekly vlog il va aller. J'espère en tout cas qu'il était bien et qu'il était bon et que vous avez kiffé. Moi en tout cas, j'ai passé une bonne semaine avec vous. Je suis assez fatiguée en fin de semaine. Je l'admets que je suis assez fatiguée. Mais c'est pas par rapport à tout ce que je fais dans la journée. C'est plutôt par rapport au fait que comme ma fille est malade, du coup ça fait que je dors pas bien comme elle aussi ne dort pas bien. Vous voyez, c'est incroyable à quel point quand ton enfant n'est pas bien, toi non plus tu n'es pas bien quand tes parents, c'est fou. Et c'est quelque chose qu'on s'en rendait pas forcément compte quand on n'a pas d'enfant. En tout cas, moi je me disais que j'avais aucune conscience de ça. Et c'est là à quel point je vois à quel point le rôle de ma mère et à quel point j'aurais toujours dû respecter ma mère depuis le début de ma vie en fait. Et quand je vois que dans l'adolescence j'ai pu lui faire du tort, lui manquer de respect, lui parler fort, je me dis, Dalia, vraiment. Tu sais pas que quand t'avais 6 mois, 7 mois, t'étais enrhumée, c'est elle qui venait, qui était... Ouais, les mamans, c'est comme les anges gardiens. Hier nuit, quand je me suis levée au moins 3-4 fois pour venir toucher le front de ma fille, pour voir si elle avait de la fièvre, remettre la couverture quand elle avait un peu trop chaud, quand elle avait un peu trop froid, la retourner quand je voyais qu'elle allait un peu dans le mauvais sens, Julie. Je me dis, mais vous êtes des anges gardiens sur terre, en fait. Franchement, sans aucune prétention et surtout sans blasphème, parce que je sais pas du tout mon but, mais c'est vraiment des anges protecteurs, en fait, tu vois. Tu sais même pas ce qui se passe, t'es bébé, tu dors tranquillement, t'es paisible, tu fais ta vie, t'es tranquille. Mais tout va bien, genre en fait t'es bien, tu manges à ta faim, t'es propre, t'es changé, tu vois ce que je veux dire, tes parents sont là, je dis ta mère parce que voilà c'est la mère qui fait ça, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait et du coup je prends le réflexe de dire ma mère, mais après attention il y a les pères aussi qui font ça, tout le monde le fait tu vois, mais c'est juste voilà les mamans c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose de grand, de powerful et honnêtement, ma soeur, elle m'a dit toujours une chose, ça c'était avant que j'ai un enfant, avant que j'accouche, avant que je sois même enceinte. Elle m'a toujours dit, je n'ai jamais eu autant de respect pour maman, du coup notre mère, que quand j'ai accouché mon fils, donc du coup mon neveu. Et j'étais là, je comprenais pas, elle me disait ça et tout, enfin on parle, tu vois, elle me disait ça, j'étais là, ouais et tout, tu comprends ce qu'elle veut dire. Mais je te promets que tu comprends pas jusqu'à ce que tu vives toi-même la chose. Là, ces dernières semaines, quand je vois comment je galère, enfin je galère, c'est un grand mot, mais quand je vois comment ma mère, elle est pas bien, je suis pas bien, ça affecte, hey, son mood, c'est mon mood. Elle est bien, je suis bien. Elle est pas bien, je suis pas bien. On dirait c'est ma copie. Mon émotion, c'est son émotion. Enfin, t'as capté. Enfin, c'est pour dire à quel point... Là, je comprends. En fait, ce que ma soeur, elle me disait, ça a grave du sens. Je sais que ma mère et ma soeur regardent cette vidéo, mais c'est pour dire ça a grave du sens. Je suis choquée de voir. Et quand je vois ça, je me dis, mais en fait, ma mère, elle a fait exactement pareil pour moi. Et même plus, parce que ça va venir encore. Parce que là, aujourd'hui, je suis une adulte. Ma mère continue encore à faire pour moi. Là, ma fille, elle accepte moi. Attention, j'ai rien fait du tout de sa vie. Hein, parce que, un enfant, c'est beaucoup plus, tu vois. C'est pas juste ça. Mais c'est pour dire, ouais, c'est fou à quel point on voit pas l'importance de nos parents. On voit pas tout ce qu'ils ont fait pour nous, tout le sacrifice qu'ils ont fait pour nous, jusqu'à ce que nous-mêmes, on devienne parents. Et je trouve que c'est dommage. Je trouve que Dieu... Par moment dans notre adolescence, quand on manque de respect à nos parents, ils devraient nous montrer tout ce qu'ils ont fait pour nous. Genre un petit flashback, genre en mode attends, wait and see, assieds-toi ma chérie, on te met un petit flashback. Tu vas vite te taire. Mais après, je pense que ça vient aussi avec la maturité, tu vois. Donc franchement, quand je suis en train de me, je vois comment est-ce que j'ai pu être difficile avec ma mère durant mon adolescence, les crises que je faisais et tout, le manque de respect. Et là, quand je vois comment maintenant comment c'est dur d'élever un enfant, et encore, le plus dur n'est même pas encore venu. Je me dis, mais wesh, mais Dalia, tu mérites, tu devrais donner 70 millions plus de respect à ta mère, en fait. Genre, en mode, t'aurais jamais dû nous manquer de respect, to begin with. Genre, ça aurait jamais dû arriver. Déjà, de base, même sans, en fait, de base, déjà, même sans avoir d'enfant et voir à quel point c'est difficile, de base, tu dois pas manquer de respect à tes parents. Mais bon, tu connais l'adolescence et tout, tout le monde est passé par là. Tout le monde est passé par là. Ceux qui sont pas passés par là, mais tout le monde est passé par là. Mais quand tu vois ça, tu dis, ah ouais... Je regrette. En tout cas, maman, je regrette. Je suis désolée. Tu mérites mon respect. Là, il n'y a pas de niveau. Enfin bref, les amis, c'était juste pour vous dire à quel point les mamans, les papas, les parents qui sont présents, qui s'occupent des enfants, qui ont fait en sorte qu'on devienne des adultes que nous sommes aujourd'hui, ils sont franchement à respecter, à chérir et à surtout remercier. Donc franchement, merci à tous les papas et mamans du monde qui s'occupent de leurs enfants et qui s'en occupent toujours parce que waouh, quel travail.
quel travail. Et ce qui me choque dans ce que je suis en train de dire, c'est que c'est même pas encore le début. Ça, c'est que le début, ça. C'est rien. C'est rien, Dahlia, ce que tu veux. Parce que je t'ai levé deux fois, trois fois dans la nuit pour aller la couvrir. Je dis que, oh, t'as beaucoup fait. Wait and see. Je suis sûre qu'il y a des parents qui me regardent, genre des mamans de 4-5 enfants, là, de mon âge et tout, qui me regardent. Ma chérie, seulement un, tu dis ça. Attends. C'est que tu vas seulement aller laver les pieds de ta mère. Enfin, bref, en tout cas. Les filles qui sont mamans comme moi, les premières mamans, enfin mamans pour la première fois comme moi, bon courage à nous de vos enfants, ou celles qui sont à devenir mamans, qui sont enceintes actuellement, bon courage à nous, on va y arriver. C'est difficile, mais on va y arriver. Mais franchement, comme j'ai toujours, il y a un jour difficile et 70 millions d'autres jours magnifiques. Donc voilà, anyway, j'espère que vous avez beaucoup aimé ce weekly vlog. Merci beaucoup d'avoir regardé, liké, partagé, commenté comme d'habitude. Continuez. Si vous partagez ma vidéo sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer sur mon Instagram et commentez s'il vous plaît. Dites-moi quel a été votre moment préféré de ce weekly vlog dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Qu'est-ce que j'ai sur la tête depuis tout à l'heure? Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Dites-le moi dans les commentaires. Likez la vidéo, ça m'aide énormément. Faites en sorte que cette vidéo va jusqu'à 5000 likes. Ouais, c'est un défi. Je vous mets au défi de mettre 5000 likes de likes sur cette vidéo. 5000 likes. Abonnez-vous comme d'habitude. Merci, 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 merci d'être toujours là et de toujours cliquer sur mes vidéos. On se retrouve pour une autre fois pour un weekly vlog. Bye bye.